il y a plusieurs bagages qui arrivent dans la question de l'école là. Il y a des petits moun tout carrément qui était dans zone ça qui obligé déplacer qui était zone là. Il y a pile là pas de l'école trop loin parce que nous connaissons réalité socio-économique pays là. Donc un petit moun qui était dans série de quartier que nous relé soit quartier défavorisé ou un quartier populaire en pile fois il pas aller trop loin pour éviter que vous payez un paquet d'argent transport. Donc c'est presque dans environ, c'est presque dans zone là toute l'école. Donc les gangs yo par exemple prend territoire ça yo, c'est certaines familles yo déplacées, ça ne relé des déplacés internes et yo déplacé avec tout ti moun yo. Les ti moun ça arrivé côté yo ya, ça pas veut dire automatiquement ou pas dans l'autre école yo entrer. Parce que en pile fois et c'est des moun que nous considérons qui très vulnérables sur le plan socio-économique. Peut-être ça qui plus ou moins, ou cas où il y a des démarches qui faites, bon côté de l'autre membre de la famille ou des parents, j'ai une possibilité de mettre dans l'autre école. Mais ça qui pas moins du tout, d'ailleurs, il plus. Donc, en pile fois, il y a qu'on aurait été chita, soit non abri, ou bien aurait été chita, il y a tant qui le zone avant calme pour retourner pour aller à l'école. Ça, c'est pour le monde. Mais pour l'école, il y a deux écoles guerrières seules qui tout carrément fermées pour eux. Non série de zones dans le pays par rapport avec agissement gang yo. Nous songer, il y a plusieurs interventions qui faites là sur une zone dans la 3e circonscription Port-au-Prince. Il y a des rapports qui faites pour montrer combien l'école qui rive fermée à cause agissement nèg exam yo. Nous songer des interventions qui faites là pour le bar Tibonite. Non série de zones côté gang yo a ferraillé, on va quitter l'école qui était là jodi a qui va là encore. Nous songer qui ça qui fait comme intervention pour des zones tant coup pardon, quoi des bouquets, une série de quartiers en dans quoi des bouquets, je dis à qui t'es gagné des établissements scolaires qui étaient là, mais qui pas là encore. C'est capable même réalité à pour des zones tant coup sous ce matelas, tant coup Canaran et tant coup Torcel, Pernier, pour ne citer ça seulement. Mais qu'est-ce qui nous arrive guerrier? Nous avons nous dit ça là déjà. Gain de l'école qui était fonctionné dans zone Zayo. Mettre peut-être dégager au commerce Jean-Jacques, y aller dans l'autre zone, tant bien que mal, vous cherchez l'autre espace qui peut-être pas gagné pour eux. Avec l'espace que vous avez avant, et puis vous apprécié au café l'école a fonctionné. Vous comprenez? Mais il y a de l'autre qui ferme n'importe où, tout carrément. Et ça qui ferme n'importe où à guerrier du seul, je vais tout expliquer ça là. Si vous avez quitté l'école, ça pas forcément des petits gens qui ont une famille qui ont une capacité et moyen pour payer l'autre école pour eux. Donc, en pile fois, yo vinn grossi ou bien yo vinn allongé si n capable de dire comme ça liste ti moun qui était déjà pas ka aller l'école dans pays. Gayo de seul c'est pas moi même qui dit ça matin. On ta mais on moun expliquer la république qui dernière fois gon année l'école qui respectait à 100% en dans pays d'Haïti. Ça veut dire respecter à 100% nombre de jours classe. Exactement. Respecter à 100% veut dire qui ça pour nous. C'est ça ministère la qu'on fait sortir pour dire mais qui l'année académique l'a commencé, mais qui l'a fini, mais combien heures de cours qui gagne la dalle, mais combien jours congé qui gagne la dalle, mais qui ça programme là. Moi t'a remé n'importe qui est captain de là. Ou bien nous-mêmes sous table pour nous dire qui dernière fois nous assister en année l'école qui respectait à 100% de la veille. Bah, pendant même. Gagné de seul récemment, m'a appelé un document de l'UNICEF. Il a expliqué que l'école fonctionnait normalement dans le pays d'Haïti. L'ENTA dit qu'il fonctionnait normalement dans le pays. Si nous avons perdu au minimum un jour et demi à deux jours dans la semaine. Par contre, si nous comprenons, non? Depuis quelque temps là, Jouta décide de dire ah, semaine à l'école l'a frappé. Puis on pense que si moun yo fait 5 jours à l'école vrai, du lundi au vendredi, minimum yo perdu selon UNICEF, selon rapport UNICEF, yon jour et demi ou bien 2 jours maximum. Ça veut dire ça. Donc là nous dit l'école là t'a fonctionné normalement, c'est 3 grains de jours seulement. Si moun yo fait après aller l'école. L'autre 2 jours yo pour des raisons indépendamment de volonté responsable l'école ou bien de parents timoun yo yo obligé chita la caillou pour qui ça laissez pas gang armé cap frapper violence armée partout ailleurs
côté l'école yo c'est cible, côté ti moun a prend balle, côté moun pa ka prend la rue, c'est grève en Afrique. Nous songe. Pas gon année passé là pour pas attendre pour faire en grève parce que y a des ailleurs salaires parce qu'il y a exigé de meilleures conditions de travail etc. Mais quel que soit jour viré et situation guerrier, c'est ti moun yo toujours payer conséquences. Parce que on prend un volet qui c'est grève là qui répété en pile. Moi parler ça avec un frère René qui c'est Corvin Tonjean, nous entendre nous sur ça guerrier. Véritable victime là, ce sont les enfants. Parce que professeur qui a fait grève là, qui a demandé pour payer l'argent au dollar la guerrier, même si on paye après 20 mois, il a payé quand même. Mais si moun ça qui était non classe guerrier de seul, qui fait 3 4 mois, il pas jamais joindre professeur guerrier. Donc l'a a toujours fait l'autre bagarre mais l'a perdu temps, perdu net guerrier de seul. Par contre ce que mais laissez pas de ça yo, agissement avec examen ou bien grève, pour l'autre bagarre qu'on y a là qui vient très à la mode, mais c'est pas je dis seulement. Bon me retirer à la mode là. M'a dit l'autre bagaille tout simplement qui vient ajouter dans l'ista et qui n'a pays depuis quelque temps. Ce sont les troubles socio-politiques. À chaque fois qu'il y a des mouvements de protestation, il y a des mobilisations anti-gouvernementales, donc on met ferme confiance. Il y a un secteur qui est beaucoup plus victime là, c'est l'école. Parce que première décision pour monde qui fait mouvement au propre senti mouvement prend, c'est empêcher l'école fonctionner, c'est empêcher l'école l'ouvrir. Il y a rien du seul. On regarde. Depuis janvier 2024 là, l'école reprend pas vrai après les fêtes de fin d'année et du nouvel an. Mais guerrier, m'pa kwè bon l'école que ce soit public ou bien privé qui ka di yo recommencer fonctionner normalement. Non. Et gagne l'école guerrier de seul depuis les fêtes fin d'année ak nouvel an yo fini qui pa jamais gen chance l'ouvri pote yo. Parce que bon série de mouvements qui était commencé dans une série de zones en d'un pays bien avant nous te vin proche date 7 février. Avant même nous te vin arriver à dernière semaine qui t'a conduit à date 7 février guerrier. Gen l'école qui était gagné pour 3 à 4 semaines pas fonctionné oui. Au niveau de la ville de Gonaïve la caille moi des petites moi l'école guerrier de zone. M'pa konn depuis qu'il est non et petite moi sorti l'école guerrier. Et vous payez? Bien sûr au niveau de Miragouane. Guerrier du seul, pas plus tard que hier, m'a parlé avec James Jean-Louis. Vous comprenez? Il y a plusieurs portes d'école qui ferment, si vous avez du coup, était chez la caillou. Grandasse. Au niveau de la grandasse, particulièrement dans Jérémy, c'est presque même quatre figures là. N'en parlons pas pour le nord-est, à Wanamet particulièrement. Ferrier, Tour du Nord, pour ne citer ça seulement. Côté situation compliquée pour des milliers d'enfants qui, je dis, n'ont pas qu'à l'école à cause de ça, m'a expliqué là. Par contre, vous comprenez? Nous apprenons. Pendant dernière semaine ça yo ou bien dernier jour ça yo notamment cette semaine gagnent des initiatives que autorité locale mettait avec des monde dans société civile là quelques responsables l'école a tenté près là pour être si capable permettre l'école de rouvrir porte yo mais là encore guerrier gagnent une hésitation gagnent en peur. Et peur la libre côté ni parents timoun yo libre côté ni responsable d'école yo. Vous savez pourquoi? C'est parce que il y a des menaces de violence des monde qui toujours dit à partir de lundi y a prend la rue à partir de lundi yo pral fermer pays à partir de lundi yo pral ceci yo pral cela et il y a même qui fait des menaces non voilées pour dire que yo pral attaquer n'importe l'école qui t'a pris responsabilité. Eh bien, ouvrir pour Timounio vin l'école. Qui vient faire que même le conseil de commune jodi a responsable l'école, il prend décision, il l'ouvre pour pote yo, mais Timounio pas ka aller parce que parents peuvent voyer yo de peur que yo pas victime dans cadre et mouvement ça qui annoncé yo gagner de seul. Et moins li dans journal dernier jour ça pour le nord-est gon situation comme ça. Il y a des décisions qu'a prend bon côté on série de responsable l'école. Ou est-ce qu'ils sont capables de relouvrir porte l'école, mais qui peut camouder parce que bon paquet de menaces qui pesait sur le département par rapport avec mobilisation ou bien mouvement protestation à l'autre mouvement, ils ont annoncé. Situation c'est presque similaire pour la métropole du département de Nip. On a parlé de Miragouane. Il y a l'école Jodia là qui voulait l'ouvrir, mais pour une raison ou bien. Il y a peur. Pas fond de ce que vous prenez. Et ça fait après que l'autre commune carrément, on parle
de reprise timide. Parce que c'est ouais après qui ça cap passé jour ça, ça cap passé semaine ça, parce que dans tout ça cap dit, dans tout ça cap fait yo, pays a toujours été OK, un élément qui sous un baril de poudre à n'importe moment, n'importe si étincelle, il est capable exploser. Nous amis, ça rappelle, nous avons environ 15 écoles qui ferment dans la première et deuxième section Tirivière d'Artibonite. Ça fait 3 ans. Bon. Donc, nous d'accord que ce n'est pas Paul Tafia qui a parlé matin. Conseil de mouvement protestation qui vient de venir. En général, ou après, c'est l'école qui cible. Bon, entre autres, hein, surtout dernier moment, ça y est. Par exemple, après, ils entrent l'école, ils pillent, ils prennent ordinateur, ils prennent bureau, ils prennent banc, etc. Et, il y a même qui est allé jusqu'à voir et tirer sous l'école. Et ça a passé là, au niveau du nord-est, pays, il y a très récemment là, en marge de mouvement protestation contre Ariel Henry qui dégagne. Et en prélude, on a dit ça à 7 février, donc toute l'école était pratiquement fermée. Alors, je dis, il y a des seuls, il y a une question fondamentale. Nous avons imposé la République. Là, nous accepter faire de l'école là un élément qui n'est pas même dans la liste priorité nous, dans n'importe ce qu'on a fait, je vais demander qui ça nous décide de faire comme choix, puisque nous dit nous voulons faire pays. Qui ça nous voulait pour avenir pays? L'école vient pas en priorité. Là, je m'adresse à tous les secteurs généralement quelconques, à tous les acteurs généralement quelconques. Que ce soit acteur qui est dans le pouvoir, que ce soit acteur qui est dans le secteur politique, là, ou bien qui est dans la société civile. Là. Vous comprenez pourquoi ça me dit ça? Pendant tout jour, ça a passé par l'école là. Pendant tout jour, ça a passé, l'école aurait été fermée si on aurait été là, quand on a guerrier. Moi, pas senti qu'on préoccupation. Moi, pas senti que ça dit. Gouvernement en yen, bon, gouvernement s'il y en a encore. Vous comprenez? Nous pas senti tout, monsieur et dame qui a fait mouvement yo, au niveau du secteur politique, comme si yo dit, ok, pas un problème, n'a frappé comme ça, mais comme on a géré tel bagaille, faut que tu nous. Nous pas senti tout bagaille comme ça. Nous pas senti tout bagaille comme ça. C'est comme si, porte l'école yo été fermé, c'est comme si Timoun yo rete la kayo, son bagaille qui normal. C'est comme si y a deux zones dans le pays, il y a plus de mois là. Si moun pa ka l'école là-dedans, c'est parce que son bagage normal. Mais m'en vie mandé le matin, qui ça me décide de faire comme choix? Gen moun, moun tande ka pese di oui, et c'est pas première fois que l'école a fermé, etc. dans le pays a, par rapport avec des mouvements X pour Y. Yo gen peut-être raison. Parce que l'histoire de ce pays rapportée pendant presque 40 ans et même plus. Les gens des mouvements, yon nan principal victime collatérale, yon li rele l'école. Nous pas de problème. Mais si nous songe bien, nous te font déclaration ici, ya, et m'a laissé ouest, si m'a capable d'utiliser l'école pour me faire son autre forme. Nous te dis guerrier, si gagnez un mouvement cap fait qui vise à changer l'ordre des choses réellement, si gagnez un mouvement cap fait en d'un pays qui vise bah un bon coup de main, n'a peut-être changé mode de gouvernance qui vient là et permettre la galon, permettre pays à galon bon souffle. Et moi-même Johnny Ferdinand, moi t'a mouri en marge de mouvement ça yo. Ne doit pas sourire, m'pas content, même pas regretter l'amour ça. Et me même font blague, me dit même dans cercle côté mia pas chanter tes mam. Vous comprenez? En fait, sourire. M'a fait y sourire. C'est même gens tout. Si guerrier de seul. En marge d'un mouvement qui pas camper sous rien. En marge d'un mouvement que nous avons considéré comme un mouvement bon cathédral, un mouvement plastique. En marge d'un mouvement qui visait satisfaire désir, caprice, intérêt, nèg kap fè politique ici. Ou bien, femme kap fè politique ici. Moi, t'as tombé guerrier, ma pou regrette l'homme moi en pile. Ma pou regrette lui. Et même côté mien dans ce cercle là, m'a bon menti, m'a goumé. Ma contre, vous comprenez? Même j'aime ajouter dans la déclaration ça, si c'est pas d'un pays à consato, on a décidé d'éteindre la vie, liban on bal, li kidnappé, m'a pou regrette l'homme moi. Mais c'est même j'ai tout m'a dit ça matin guerrier de seul. Même si
pendant près de 40 ans et plus, il y a des mouvements qui ont fait, des mouvements de protestation, il y a des mouvements sociopolitiques, des troubles, etc. Côté l'école, toujours victime, vous voyez. Moi-même, je suis un barré qui a estimé qui allait trop fort, même responsabilité. Si moi, il y a des mouvements qui ont fait, guerrier, mais c'est des mouvements très sérieux. C'est des mouvements qui ont fui, mais c'est des mouvements qui ont fui. L'école t'a décidé pour un réseau mais pour l'autre pas fonctionner là dedans guerrier m'a pas bon menti m'a comprendre ça même l'aime pas encourager comprendre bien ça me dit oui, on va comprendre ça si y a des mouvements sérieux qu'a fait des mouvements côté que c'est pays a qui en priorité côté que c'est intérêt national qui au devant de la scène guerrier m'a pas bon menti si l'école t'a fermé mais c'est petite pas me rester la caille m'a comprendre ça même l'aime pas encourager pas en dire mais guerrier là c'était y a cap fait. Vous comprenez? Là c'est des mouvements pas émaillés cap fait. Là c'est des nèg des femmes cap chercher prendre vue d'état, cap chercher gérer leadership ou bien cap faire l'autre bagaille rien que pour satisfaire désir par eux et puis ti moun yo fait 1 mois, 2 mois, 3 mois pas aller l'école, gars ça nerve moi même. Ouais. Ça nerve moi. Nous songe me dit ça en 2022. Nèg yo bloqué pays pendant 3 mois. Porte l'école fermée. L'hôpital pas qu'à fonctionner, oxygène pas qu'à rentrer, malade a mouri, mon a mouri grand bout, pas gain de l'eau, etc. Mais 3 mois pour rien guerrier. Pour rien. Après 3 mois, docteur Ariel Henry vient plus puissant, vient à l'école là, etc. Vient penser ses élites, mettre seigneur, et puis l'a frappé. Et puis Timounio perdit en ça pour grand merci guerrier. Moi-même ça dérange moi personnellement. Ça dérange moi. L'en fait Timounio Jita pendant 2 mois. Yo pas à l'école pendant ce temps. Gide nèg par exemple cap frappé là, petit yo pas même bon côté yo même. Petit yo pas même dans pays même. Yo pas même pense à bailler comme ça même. Faut yo voyer petit yo à l'étudier pour le capable venir diriger. C'est là yo qui empêche à l'école. Moi même ça dérange moi même. Parce que moi même pas ka comprendre comme si OK, Christophe Braille dit au monde que tu gagne 2 mois là l'école va t'ouvrir. Parce que tu as un mouvement. Pas de problème, non? Mais à qui ça mouvement ça a servi? Eh bien, si mouvement ça n'a pas servi à grand chose, eh bien, pour qu'ils aillent à l'école, ils sont obligés de venir. Par contre, vous comprenez? Pour qu'ils aillent à l'école, ils sont obligés de venir. Moi-même, par contre, c'est vrai, puisque je ne suis pas pris dans le pays. Ça, même dans la guerre, si je suis à l'école, l'école fonctionnait. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Par contre, si c'est vrai. Monde de dit ça. Gayé mon monsieur. Ça dit qu'on couloir yo crier pour ça. L'UNICEF expliquait que en 2023, tu as gagné 200 000 monde qui rivaient quitter zone côté où tu habité. Et là, nous sommes en novembre 2023. En janvier 2024, là on dit ça chiffre là selon l'UNICEF, il y a 314 000 monde cap courir pour violence armée qui a Guéry Bosco dans des abris provisoires en pile là où c'est l'école. Et bien guerrier où est dans tout monde ça m'a parlé là gagné plus que la moitié selon l'UNICEF 172 000 et plus guerrier qui c'est des timoun. Et me sont expliqué ça tout à l'heure, c'est timoun qui quitte côté de l'école et qui a le côté où il y a qui pas aucune garantie qu'il va le fréquenter l'autre l'école guerrier. Parce que moi dis en pile là, c'est petit malheur yo yé. Son l'école là-bas pour yo te joindre, son subvention yo te joindre, son demi bourse yo te joindre. Donc rivé qu'on y a là côté yo yé, na abri ya. Pour faire ou aller dans l'autre école là, puis qu'on pense la règle là capable exception pour quelques-uns entre eux, dans mitan yo. Par contre, tu comprends? Parce que c'est des timoun qui étaient déjà ou bien c'est des timoun qui dans famille qui étaient déjà parmi les plus vulnérables yo. Et mes timoun ça yo yo vinn allonger liste moun ki te déjà pas à l'école dans pays. Eh bien, chiffre officiel UNICEF, c'est pas moi qui parle jodi a. Gen plus ou bien au minimum 1 million ti moun n'a parlé d'enfants haïtiens guerrier qui pas ka aller l'école. Ou bien qui pas aller l'école. Qui ça vous explique comme raison? Parce que avant c'est pas chiffre salté. Un an de cela, pas chiffre ça. 2 ans de cela, il pas de chiffre ça. 3 ans de cela, il pas de chiffre ça. 7, tu es toujours un petit monde qui n'a pas aller à l'école. L'école, oui. 7, tu es toujours un petit monde, pour des raisons que nous allons expliquer tout à l'heure là,
qui a toujours des difficultés pour aller à l'école. Mais le fait que la situation vient à détériorer, notamment avec cette question de insécurité, avec cette question de mouvement sociopolitique, mouvement de protestation, mobilisation, etc., chiffre la vie augmenter de manière exponentielle, guerrier. Mm-hmm. Et on parle de 1 million et plus. Avant, je te dis que c'est coût élevé éducation dans le pays. Ça veut dire le fait que c'est le secteur privé qui contrôle l'éducation. Hein, et l'État pas vraiment en prise sur lui. Donc, ils ont même taxé l'argent, n'importe gens. Ils ont taxé l'argent de l'école à n'importe gens. Et les gens qui sont là, qui viennent voir les petits de l'école, ils sont obligés de jouer. On m'a coûté l'argent pour payer l'éducation. Hein. Ce n'est pas évident parce que la majorité de la population, hein, c'est des gens qui sont pauvres. La majorité de nous, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler. Donc, du coup, nous venons incapables pour nous voir étudier à l'école. Ça, c'est la première raison. Le coût élevé de l'éducation en Haïti. Deuxième raison, guerrier, c'est l'État. Okay, non seulement qui n'a pas gagné assez d'espace public pour recevoir Timounzaïo, dont famille, pas de moyens adéquats pour payer l'éducation, mais tout, l'État n'a pas aucun plan pour soutenir Timounzaïo qui est considéré comme monde qui est plus vulnérable. Avec dit même le monde ça yo ou ta kan niveau ça, mais comme yo nan difficulté, l'État pas élaboré sur l'UNICEF, vous comprenez, aucun programme pour accompagner famille ça yo pour permettre que au moins même les ou gen l'autre problème, mais ti moun yo ka gen possibilité pour aller à l'école. Ouais. Et bien situation vient aggraver jodi a guerrier avec cette question de mobilisation sans arrêter, avec cette question de mouvement de protestation de troupes sociopolitiques ajouté à ça. Question insécurité à qui m'a parlé tout à l'heure. Bonjour. Mais le petit problème encore qui a été révoqué entre autres, il y a même parlé de médiocrité système éducatif haïtien. Par exemple, c'est dans l'école qui existait de nom, mais le regarder infrastructure, pas même bien eux dans l'école qui est capable de refléter dans son horaire. Vous comprenez? Donc tout ça y a eu une fait que de jour en jour, chiffre. Ti moun non scolarisé, ti moun ki pa ka à l'école, ti moun ki rêve ta reme à l'école yo, mais ki pa jam ouè comment ou pral concrétiser rêve ça, mais chiffre ça pour augmenter chaque jour Dieu mette. Mais malgré ça, ça pa di personne rien dans pays a. Ça pa di ni l'État, rien, gouvernement, décideur, autorité, mais ça pa di nous autres comme des acteurs de la société civile, hein? Encore moins ce n'est qu'à faire politique. Yo. Mm-hmm. Et pourtant, avant, depuis nous sommes nous fumés, pour nous dire nous dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays, ou bien les enfants, c'est eux-mêmes qui sont des citoyens de demain. Comment on peut gagner des citoyens responsables, conscients, patriotes, formés, etc. demain, si je dis à Timoun Zayo, ou pourri, présent, yo, parce que nous ensemble de droits, ou pas garanti ou don le droit à l'éducation. Son paradoxe, guerrier. C'est pas moi qui le dis. Son paradoxe n'est pas si mon petit a démonté ça. Ouais. Ou pas obligé de faire gros études, comprendre gros doctorat. Non? Ou quand on dit si mon n'a pas un problème, c'est vous-même qui prenez ceci demain ou prenez cela demain. Mais c'est pas un coup de chance, non? C'est pas un coup de chance, c'est pour un hasard. Son préparation, son processus. Donc si je dis à la. Nous effacer voler ça dans le processus là. Comment nous espérer demain nous avons des citoyens responsables? C'est normal, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard, nous avons un pays, Jean-Luc Nagazia, qui a décroché de nous, qui a descendu, qui a tombé dans le trou, qui à un certain moment est au bord de l'abîme, et bien je dis à qui vient dans l'abîme dans net, ou bien demain qui a dans l'abîme dans net. C'est de ça qu'on parle, je dis à guerrier de ça. C'est de ça qu'on parle. Pas de problème avec mon gars pour tes discours pour venir dire que oh t'es toujours et ça les des mouvements l'école font qu'on fait plusieurs mois fermé etc. Ils ont même arrivé sous période du Valier de dire mais au moins qui sont prêts à l'expliquer génération qui a venu là pour des que l'école est fermée là pour mais pour qui ça papa pour sa maman c'était pour une bonne cause expliquez nous mais n'a bien honte pour nous dire mon cher pas de point non c'est de toi qui t'es besoin font quoi là sous tel pouvoir c'est de toi qui t'es besoin pour un poste là c'est de toi qui t'es besoin faire ouais là etc. c'est ça qui fait une bataille à l'école au même titre que l'histoire a jugé nous
mais génération ça pour juger nous tout. Adjani, ça va ajouter quelque chose. Mm-hmm. Et ça qui est triste dans tout ça que vous avez expliqué, parce que nous avons couteau avec un peu l'intérêt de Johnny, même monde ça yo qui dans tête gouvernement, c'est des hommes qui dans l'école qui fait des grosses études. Donc nous tout clair sur ça. Et moi même ça m'a posé ma question, c'est monde qui là jodi, c'est qui ça à pied demain. L'en considérer gagner plaisir si moun qui pas à l'école, qui pas gagne chance à l'école jour ou sauter pour qui tout à l'heure à cause peut-être violence gang yo, l'école qui fermé, parents qui pas voulait risquer voyer ti moun dans la rue. Mais tout en nous garder pour nous prendre ça Johnny côté que le ti moun chaque matin, li lever li wèl nan ka la. Peut-être que gagne des secteurs de ti moun qui habite dans zone côté que gagne des nèg armé. Et à chaque coup yo lever, yo wè nèg lan avec à faire la main. Donc là, elle fait ça un jour, deux jours, un mois, deux mois. Elle continue après ça, et pas seulement dans nos zones, mais dans plusieurs zones. Moi-même, t'as aimé vous connaître, c'est qui type de monde a formé pour venir prendre tête pays à demain. Moi, Gonti, fille, elle m'a Johnny, et puis m'a passé avec l'autre côté. Lui, ouais, un monde qui gagne les armes normales. Lui dit, Marine, c'est la police. Mm-hmm. Donc, m'vin tellement frise, par contre, qui ça vous me dit? Et ceci dans cas ça on va pas qu'il nous bombaille et dans cas ça guerrier m'a dit moi est-ce que s'il continue pas à l'école là pour ça ou là dans ce comme ça donc c'est qui monde mais qui éducation que n'a pas le kabali non mais il cap prendre ces monde ça là comme modèle effectivement bien sûr parce que il y a des monde qui peur lui il y a monde qui respecte elle donc il y a monde qui c'est capable il là prend comme modèle il y a monde qui n'a tête langue avec n'a concordat avec tout pas tu comprends mais c'est de ça n'a parlé. Merci Brad Batoulikade, moi manqué oublié et nous voler ça malgré m'té noté dans si note que m'té prend yo et information ça qui communiqué par le directeur du PAM programme alimentaire mondial qui reprend par un journal Le Nouveliste m'té noté ça bon paquet ti moun guerrier Dieu seul avec situation ça nous a décrit là yo perdu un opportunité pour yo gagner accès à éducation mais deuxièmement c'est des petits monde là où tu as l'école guerrier que tu as des possibilités puisque la caille pas bon à un plat chaud par jour. Mm-hmm. Jodi à là, yo perdu ni sac ni crabe. Mm-hmm. Un, yo pas à l'école, mais deux tout, yo pas gain chance. Mm-hmm. Ça dit pas jeune manger. Tu manger ça ou te connait jeune pas jeune. Moi m'a bon menti, moi c'est nèg qui participe dans cantine scolaire, puis me fait toute première manger l'école. Ni tellement connait manger l'école même pour la caille moi même. Dans primaire. On revient. Bonjour. Bon moment crivé dans journée en guerrier moi même c'est l'idée me bas sous ça mettre la dit encore. Très beau étudiant pour comprendre ça. Vous comprenez que comment vente ta famille après d'oreille pas comme ça aussi. Vous comprenez petit monde ça on te connait un petit espoir depuis à l'école là non seulement il y a des chances à prendre mais il y a gain accès à un plateau. Eh bien selon le directeur du PAM, pas me garder les chiffres là même pas veut n'avouer monter puisque c'est pas nous qu'à vérifier. Gain pratiquement 400 000 petit monde. OK 400 000 timoun qui ont une situation pareille. Par contre, mm-hmm. Mm-hmm. Alors Johnny, ça n'a pas dit là, ça n'a pas décrit là. C'est un coup timoun yo prennent un complot. Un complot de l'État qui est irresponsable parce que c'est l'État qui est là pour garantir sécurité dans tout pays hein, pour faciliter timoun yo à l'école. C'est l'État tout qui est doué respecter une série de exigences, par exemple syndicats qu'on a fait, par exemple professeurs ou les pas touchés qui obligés rentrer dans grève et professeurs qui nommé mais qui pas qu'à toucher. Donc pour qui est-ce qu'il faut payer? C'est l'État. Donc là c'est une responsabilité l'État, mais comme ça tout bon l'autre groupe qui eux-mêmes courent et pour message passé faut qu'ils bloquent l'école. Ouais, c'est là que l'école là vient prendre il vient trouver le nan mitan entre l'État qui pas assumer responsabilité et groupe monde qui souvent fait revendication yo ou bien politique là qui ont même croit que pour message jo a passer faut que l'école la ferme. Mm-hmm. OK, et moi son pratique quand que les monde là et revendiquer par exemple pour gagner de l'eau dans zone mais pour le revendiquer pour gagner de l'eau faut le couper route là. OK. Mm-hmm. C'est qu'on n'a tourné en rond. Elle dit l'a demandé de l'eau mais elle coupe route là. Ouais, c'est ce qu'on ouais. Elle dit qu'on a une boisson, elle vient de l'eau, on a demandé faut le route là.
Donc vraiment pas comprendre ça qui passe dans tête mon yo des fois. OK? Et c'est ça que n'a dit ça n'a dit al matin, pas seulement pour politique là, ça dit pour ensemble de mouvements, troubles qui gagnent yo, mais yo pour l'État tout qui lui-même pas assumé responsabilité qui fait que qu'on paquet de quartier, on paquet de zone que ti moun yo pas ka l'école. Donc yo pas ka l'école parce que bandi prend espace yo. Et qui est-ce qui gagne pour combattre bandi yo? C'est l'État, c'est moun qui touche taxes population. Faut pour nous ajouter Johnny dans ça guerrier dit et gagne série de zones guerrier. Au lever là samedi toute activité a fonctionné, vendredi toute bagarre a fonctionné. Et bien lundi dimanche toute bagarre a fonctionné, lundi lever tout bloqué. Et dans cas ça, pour le week-end, pour jouer comme et puis là il y a et puis l'école style toujours pas qu'à continuer. Pas qu'à avancer. M'a conclu matin avec deux chapeaux. Premier chapeau c'est chapeau journaliste là. Ça veut dire Johnny Ferdinand, journaliste là qui peut parler là. Et dans une question de pays qui est toujours en crise. Des crises à n'en plus finir. Des crises, il y en avait. Des crises, il y en a. Des crises, peut-être, il y en aura encore. Donc, moi, passe aujourd'hui à Foc Acteur, si vous croyez que l'éducation, c'est clé développement, tout bon vrai. Si vous croyez que l'école là capable de jouer un rôle dans l'an de mes meilleurs, nous tous espérer, ou bien nous tous. Vlewea, faut que vous repensez question éducation en temps de crise. Faut que vous gardez qui ça qu'a fait pour ne pas dire pour moun pas manifester, pas dire pour moun pas mobiliser, pas dire pour moun pas exprimer gwonyo surtout en face au gouvernement qui insouciant en face des autorités je m'en foutiste. Mais au même titre que la population, au même titre que les citoyens, yo gen droit pour yo dire ça pas fait au plaisir, pour yo exprimer, pour yo manifester, c'est au même titre ça tout que les enfants yo même yo gen droit à l'éducation. M'pa konn comment, m'pa konn ki jan, mais je crois qu'il faudra repenser l'éducation en temps de crise. Hay pou bagay. Deuxième bagay, le journaliste qui a parlé. Moi me penser que gen nécessité jodi a pour nous protéger l'école yo contre violence. Et même nèg ki gen zam yo. Parce que me supposé nèg gen zam yo gen petit tout à même si tu vas à l'école. Yo pa ta renmen que petit yo prend même chemin en tout. Yo pa ta renmen que demain matin pour y vivre pour petit yo vivre dans cachette même j'avais yo. Parce que les nèg là, li prend cop kidnapping nan, li retan dedans ghetto avèl, li ta bien renmen monter petit en ville. Ta bien renmen al non ti piscine d'Elma. Li ta bien renmen tout al Saint-Domingue al Jacob là. Mais li pa capable parce que il pas qu'à jouer beurre avec l'argent beurre là. Donc il pas dans même petite qui vient dans même situation tout dans même petite libre et ça fait je chercher l'école même qu'on est nèg jodi a que considère comme un chef gang petite l'école dans yon nan pigou l'école qui dans cette ville Port-au-Prince. Oui. Donc pour qui ça le fait choix ça? Parce que l'estime que route gang nan c'est pas le plus bon route là. Il estime que meilleur dans route l'école là. Mais je crois qu'il y a nécessité de protéger les écoles contre les violences armées. Ça c'est le journaliste qui saute par là, c'est pas l'avocat qui parle. Ça c'est l'avocat qui parle, c'est pas l'avocat. Ça c'est le journaliste qui a parlé. Vous comprenez? Moi-même, Johnny Ferdinand va parler de Johnny Ferdinand, citoyen engagé, jeune de son pays, etc. M'a dit ça sincèrement. Si t'as un mouvement cap fait, qui est sérieux. Nous cabal n'importe non blé. Nous cabal la révolution. Nous cabal n'importe non blé. L'école ta victime collatérale là depuis son mouvement qui a révélé le foutu ou bien qui va viser aucun intérêt que intérêt national là, je suis partant. Mais si c'est mouvement pour nèg fait comme, si c'est mouvement pour nèg gérer vedette yo, si c'est mouvement pour nèg gérer leadership, si c'est mouvement pour nèg mener bataille électorale, faut quitter l'école, il faut fonctionner, quitter tout le monde à l'école. Je dis ça, je ne dis rien, bonjour tout le monde.